je vous propose de partir au ski. Et oui, je vous emmène sur les pistes comme si vous y étiez. Le saviez-vous, la plupart des stations de ski sont équipées de webcams accessibles tous les jours. Le but, voir l'état des pistes, si le soleil brille et pourquoi pas s'assurer qu'il n'y ait pas trop de skieurs. Je vous ai sélectionné trois stations bien connues. La première, c'est la plus alsacienne des stations de ski vosgiennes, j'ai nommé Gérard May. Ici, on peut constater que le temps n'est pas au beau fixe, mais rassurez-vous, notre Miss Météo Sada prévoit des améliorations dans les jours à venir, et notamment ce week-end. Autre piste, autre mode d'emploi, la Bresse. Ici, on choisit sa caméra, le front de neige ou le petit Artimon, et on se rend compte qu'ici non plus, le temps n'est pas fameux. N'hésitez pas à zoomer sur la zone qui vous intéresse. Par exemple, la piste noire, aujourd'hui, ressemble plus à une scène de film d'horreur qu'à autre chose. Le massif du Markstein, lui aussi, est présent sur le web 2.0. Bon, le temps n'est pas mieux, mais l'avantage, c'est qu'on peut accéder aux prévisions météo depuis le site et consulter les tarifs des forfaits. Si vous aussi, vous avez un blog ou un site internet et que vous voulez vous faire connaître dans toute l'Alsace, écrivez-moi. En attendant, je vous souhaite un très bon moment sur Alsace 20. Nous, on se retrouve demain, même heure, même chaîne. Salut !